La politique. La politique est plus qu'un parti. Le temps où il n'y a plus de place pour l'ignorance. Il n'y a plus de place pour le mensonge. La vérité, c'est ce qui est attendu. Vous voulez même parler du cas de l'entente. S'il y a une entente. Mais en fait, il y a toujours une partie qui s'entend et une partie qui ne s'entend pas. La vérité. Rassemblement, une union, une forte victoire. Et c'est tout, c'est tout, c'est tout. La réponse sur un rôle et une sagesse, un peuple qui a la vérité, se doit de se connaître avec le modèle. Le modèle de la grandeur. Le fait de ne pas retomber dans les anciennes promesses et de redonner une nouvelle guidée à l'espoir. Retourner à son identité. C'est retourner à son égal. Le problème vient de la fausse représentation du temps pour le peuple. Le rôle de la politique de ramener dans le peuple la raison et la conscience de la vraie nation. La vraie nation, la vraie comparaison aujourd'hui entre notre histoire et celle qu'on veut que nous ayons pour seule valeur dans nos quartiers, seule connaissance de nos villes, seule vie pour notre souvenir du rappel, le rappel de la nouvelle naissance. La naissance au temps où il y a encore la guerre. La naissance du peuple, la naissance du peuple. Tant où c'est les événements parfois extraordinaires pour la nation, qui prennent la place dans le peuple, qui deviennent aussi notre action, notre futur, la destinée qui doit nous rapporter ce que nous sommes. Ce que nous sommes, c'est un prophète qui le dit. C'est une grande vie, la grande vie qui est constituée. Elle est constituée par des hommes, elle est constituée par des hommes, elle est constituée par des hommes qui donnent la volonté au peuple. Libre, mais aussi être celui qui surclasse. Surclasse le savoir, le choix de surclasser les autres, de leur donner aussi le moyen de nous rapporter, comme nous leur avons apporté, la vérité aujourd'hui. La vérité, c'est l'histoire. L'histoire qui est une rencontre entre l'idée de la nation et le prochain du peuple qui est une réponse du peuple à un autre peuple. Voilà. Il y a dans le peuple un parti. Il y a donc une réponse. Mais comment ça? Tant que quitte, je ne suis pas instruit par d'autres. Je lis. Je suis parfois en action avec d'autres qui rendent compte aussi. Mais je ne suis pas instruit. Je suis plus inspiré pour vous transmettre un message. Ce n'est pas rare qu'il y ait une vérité pour la nation. Ce n'est pas rare que nous soyons la responsabilité.
franchise, c'est une devise pour notre peuple, la France. L'aveuglement n'est pas d'origine. D'origine de la guider. La guider, j'en parle. Elle est pour nous, tout le peuple, une rencontre où personne n'est laissé au hasard. Voilà, tout le monde se concerne, tout le monde prend sa responsabilité. Ah. Je vais parler de l'enjeu de la puissance. Voilà, l'enjeu de la puissance, c'est tout. C'est sur ça qu'on va parler, l'enjeu de la puissance. La puissance qui est un espoir aussi. Un espoir que nous ayons gagné. Le compte de nos espoirs qui peuvent encore continuer. De quoi donc nous parlons aujourd'hui ? Nous parlons de ce qui est attendu. C'est ça, les espoirs qui vont continuer. Le rôle de notre peuple, de sa volonté. Sa volonté qui est un peuple guidé. Un peuple guidé sur la rencontre. La rencontre qui est la première nouvelle dans le temps de l'insulte. C'est sûr. Succéder avec la bonne rencontre. Le rôle de notre peuple. Derrière nous, il y a la victoire. Il y a la victoire. La victoire d'anciens. La victoire, en fait, du peuple à mon peuple. Voilà. C'est comme ça que je l'appelle. La victoire du peuple à mon peuple. Musulmans, la victoire et la certitude du chemin, le chemin de la divinité avant. Il n'y a pas d'autre roi que le destin que Allah a décidé, le choix d'un peuple et le choix d'unir ses liens et de rassembler sa connaissance, puis de produire son nom, avec la direction dans un droit, un droit qui est le nôtre, un droit qui est le vôtre, un choix, le choix d'une destinée. Un nom est un royaume, un grand nom est une grande vie, une réponse à la direction annoncée est une régence pour un état, une régence pour montrer notre destin, pour choisir notre chemin. Voilà. Évidemment, il y a des sources qui font partie de la Constitution. La constitution de notre état, la conduite de notre promesse, notre repromesse, nous repromettons notre voie comme étant la lumière des anciens, les anciens qui ont choisi la voie libre, la voie qui donnait au peuple son chemin. Une secousse maintenant, pour montrer que ce n'est plus un état de Dieu. Mais quelle secousse. Le président Al-Mahdi, quelle secousse. Ça t'a pas dit, il y a une secousse. Ah, une secousse. C'est pour dire autour du charme, il y a une secousse. Il y a une secousse parce qu'il y a un prophète. Donc il y a une secousse. Puis, on demande pas pardon. On demande qu'il n'y ait plus de murs. Hein? On demande qu'il n'y ait plus de murs.
ça sert à rien. Ça ne sert plus à rien. Vous découvrez que vous n'êtes plus apte au jugement. Vous n'êtes plus apte à la résurrection. Il y a un prophète. Vous n'entendez pas que je suis Mehdi. Vous ne m'écoutez pas. Je suis prophète. À la seconde où il y a la secousse, vous disparaissez. Mon papu revient de Dieu. Dieu est la place du choix. Du choix de mon peuple. Mon peuple revient à Dieu. La victoire revient à mon Dieu. Je suis le temps. Je suis la vérité.